Oh, Zambi. Ukade nga wine pimba bishinza ngwa mukoro boso. Oh, yo, yo. Nalingi yeso. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur et apôtre Adolphe Alexis Mukunza Lukat. Nous vous présentons cette émission Page de l'Évangéliste. Et Zali, émission Epayi Wapi, vous allez découvrir l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabounyo Alessa, dans ses prédications, dans ses actes, dans ses moments de gestes, dans sa doctrine et dans tout ce qu'il est en train de faire. La Page de l'Évangéliste est là pour vous donner et vous éclairer sur cet homme de Dieu. Conformément aux Saintes Écritures, quand Paul parle au Timothée, Paul parle à Timothée, il dit « Partout où tu annonceras la bonne nouvelle, n'oubliez pas de parler de moi, son serviteur ou son prisonnier. » Et dans cette même ordre d'idée, nous allons n'a pas de l'évangéliste Mokolo Malelo, nous parlons de l'évangéliste Claude Kabounyo Alessa. Est-ce un serviteur du diable? Est-ce qu'à Zamosal, il y a Satan? Bien aimé, vous savez, depuis déjà les temps anciens, les gens qui ont servi le Seigneur avaient des problèmes sérieux. La Bible nous dit même que Dieu a établi il y a ce qu'on appelle les serviteurs fidèles que Dieu a établi sur les autres fidèles ou sur les autres serviteurs pour qu'ils puissent leur accorder les nourritures autant convenable. Matthieu 24, 45 à 46, Matthieu 24, 45 à 46, c'est mon candé lobby. Et Sengo, Namosali, Oyo, Azali, Ya, Bupikiriki, Oyo, Akoveye, Likolo, Yabaninga, pour être appelé Sabango Bile, Yinatan convenable. Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité d'acquiser les gens, ou qui a la doctrine d'acquiser les gens. La facilité d'acquérir les gens, c'est Satan. La Bible nous dit déjà avec Apocalypse chapitre 12, verset 10, que Satan, il est l'accusateur des fidèles. Parce que Benem a commis tout là. Pourquoi est-ce que, pourquoi toujours lui, pourquoi est-ce que Benem a fondé un cahier, est-ce que Benem soit là aussi? Tous ces gens qui parlent du mal de l'homme de Dieu, est-ce que Benem aussi? Parce que Benem a tellement aimé comme ils sont nombreux, est-ce que nous ne pouvons pas dire que réellement, Benem n'a pas raison de parler du mal de l'homme de Dieu? Bien aimé, vous allez vous étonner que quand vous retournez dans la Bible, malheur si tout le monde diront du bien de vous. Malheur si tout le monde dira du bien de vous. Ce qui batounyoso, balobi. Bon là, on prend yo, osamu tuabila keli mabe. Namukanda nzambe la kisibisona acte des apôtres chapitre 23, que Paul, azaki mutu, oyo ba funda et pa ba accusateur rebelle. Donc les accusations ne peuvent pas nous impressionner. Mais les accusations font partie de la vie quotidienne. Si réellement cet homme était serviteur de Satan, et c'est ma acte à Kosala, Moussala à Kosala, on ne pouvait pas trouver les indices du satanisme. Il y a un mot qui nous verset à mon Kolomalelo. Nous allons voir ensemble avec quelques images à l'appui. Comment cet homme se débat jour et nuit pour on sait que la pensée du Seigneur puisse aller. Prenons la première image que nous allons prendre. Et ça, image à Pasteur Moko, Oyo, Azwaka, Likama, Nakati, Amoka, Moujma. Ça se retrouve dans l'intérieur au Kasaï oriental. Et à cette période-là, le féticheur s'est élevé. Bangana qui se bat tellement. Bah, salaba. Bissala, sala, ebele. Bah, domina, Moka, au point qu'ils ont donné la mort à un pasteur. Vous savez, d'abord, quand un pasteur est tué par les sorciers, ça signifie que Yeshua a diminué, mais Satan a menti. Les pasteurs tués, la Bible dit que frapper les bergers et les fidèles, les brebis seront dispersés. Donc ces gens, comme Satan connaît le verset, savait que quand on frappe les pasteurs, les bergers sont dispersés. Voilà que ce pasteur est tué par la puissance du monde démoniaque. Et voilà que l'homme de Dieu à cette période-là, qui n'avait même pas encore une église, il s'avance pour lancer les défis au monde de Satan. Il prie pour ses pasteurs.
le passé revient vite. Frère, nous pouvons nous poser d'abord la question, comment expliquer qu'un homme qui est sataniste, un homme qui est un serviteur de Satan, un homme qui est au solde de l'ennemi, peut combattre l'ennemi pour faire jaillir la gloire du Seigneur. Pour aller que ça va tout kenzamba zamounen, aller que ça va tout kenzamba zosala. Vous croyez que quand les fétiches touchent les pasteurs, ça signifie tout simplement que même bandibi basu qui savait bandibi non, Jésus a zanassé, Satan est adondu. C'était ça le message que ces gens-là ont lancé dans cette vie de Bougeman. Mais voilà que cet homme y arrive, il dit je vais relever ce défi. Suivons ensemble ces images et nous allons rentrer sur les plateaux avec la complicité de notre bien-aimé Pepi Kelly Boabois et Léo Max. Suivons ensemble. Le problème dans les abou, il y a un mutumoko, babien aka ministre de défense. Na lingaka te ba finga kombo a Jésus. Nous sommes dans le Bougeman, il y a une période moko, et ça le kire, banganga babandi koboma batu, banganga, bazo tchabatu bambasu, et ceux qui n'ont pas sa moussala bo nakati a digital et pas na biso boy, ba yoki kaka, moi mon thème ma bende bozo sa l'émission na boy, mon ninga na yo, a ki a joué le kisi, au salin et l'orote, a tio kisi, a betio kansonda, kansonda les amis nduki moko, ya démon bazo, au koufi na yo, ou bien au poussi, pote au poli au koufi. Donc, et pessing akanda, babomi batu babando bomata, 50 personnes, 70 personnes par jour. Et puis, si on a un voyage, on a un petit peu de prise en otage. Je suis un pasteur. Pasteur, je suis un bon délire pasteur. Je suis un église. Je suis un fils de la vie. Je suis un puissant. Je suis un petit peu de ganga. Je suis un 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 peu de puissance ensemble. Je suis neutralisé. Et tant que vous avez passé pendant deux mois, vous avez passé pendant jour J, vous avez la télévision, vous avez un bougement, vous avez un grand jour, vous avez un télévision, vous avez un moto, vous avez un moto, mais tant que je suis là, démonstration, je ne sais pas ce qui est. Vous avez suivi ensemble, Pasta Assia Koufi. Mais l'homme de Dieu s'avance comme Goliath, et comme David devant Goliath. Il s'avance comme David devant Goliath pour relever les défis. Abinako Kotikate Bangaki, c'est pas lancer des défis jusqu'à ce niveau. Atteindre l'homme de Dieu. Quel message! Et lorsque quelqu'un vient contrecarrer un tel message, on peut le café de qui? On doit le qualifier d'un serviteur fidèle de Dieu que Dieu a établi sur les autres afin de leur accorder la nourriture au temps convenable. Le temps convenable est à temps où on a. Oyo banga qui se va télémi. Oyo banga qui va télémi. Mais yé aye kolakse qui attend au télémi. Bon, ça l'est ma démonstration. Nzambé Zamounen. Quelle était d'abord la joie de l'église? Mitera na bisika ba fidèle ya pasteur wana. Oh, mon pasteur, quelle sera déjà leur foi quand ils m'ont abandonné pour cela le lendemain. Et lorsque ils voient un autre homme de Dieu qui vient relever les défis à Sambéni, pasteur à Sekoui, à Yekosong, c'est la quatrième église. Quelle sera encore l'idée de ces fidèles-là? Oh, bah si Malimbaki. Oh, mon ami déjà que c'est la fin. Un pasteur, tu vois, c'est la fin. Parce que le pasteur, c'était un représentant du gouvernement céleste. Donc, le gouvernement céleste était atteint. Mais voilà qu'à ce moment-là, il amène. Bumituna d'abord, si c'était Yo Sali et Loko Yabongo, on allait adapter déjà ou adopter Pasteur Wana comme fils spirituel na yo, au bout de lui-même dans l'église. Mais il n'a pas fait ça. Jésus lui m'a dit, si vous ne croyez pas de ma parole, croyez quand même aux œuvres que je suis en train de faire. Les œuvres nous montrent que c'est un homme de Dieu. Nous allons prendre une deuxième image. Le lot n'a pas suivi moi image, mais parce que je sais pourquoi. Et merci beaucoup au Paul, au Nyo Suba Komera Kabiso, au Nyo Suba Kobenga, particulièrement Papa Nabiso Mayala Nakati, il y a États-Unis, Gabriel Lukusa, et Papa Freddy. Vous êtes nombreux là-bas, vous, qui nous suivez, qui nous encouragez. Bikoukoua, Binonyon, Ser externe, na Canada, ba ou bako sala ke, ba encourage abiso pe, ba pesa abiso ba remarque. Nous vous disons un grand merci. Nous vous disons
Nous allons prendre une deuxième image. Image Yami Balé, et Zaya Passer Moko assis à Lemba. C'était un passeur de Brazzaville, de l'extérieur du Congo. Parce que là, c'est peut-être c'est dans sa province qu'on pouvait dire, et Zana Katabra. Mais maintenant, le même acte est posé à l'extérieur. Passeur Zaya Brazzaville, à Zana Ministère, à Zana Bandimi. Satan a dominé Passeur Wana. Parce qu'on voit que son ministère n'évolue plus. Il est bloqué. Sur le plan financier, il est bloqué. Sur le plan des ministères, il est bloqué. Au point qu'il était déjà fatigué et pastouflé. Découragé. Aïbi de Solo, comme ça, il y a peut-être un bois qui s'est un ministère. Pour je ne vois plus le conseil que je peux faire. Assemblée, assemblée, pas de changement. Mais quand il entre en contact avec cet homme, que d'aucuns qualifient de démoniaque, la solution apparaît. La pauvreté s'en va, la misère s'en va, le blocage du ministère s'en va. Parce que la bête émission, on se dit, ceux qui assemblent pour la mouton, pas moi, à quoi peut-être c'est dimité. Dim n'a eu à bon à zoa pendant la vie ministère, n'a eu à bon et il est quand même 100 dollars. Quand quelqu'un est béni à Bimina église, à qui m'a l'ingomba? Je pense que peut-être le passé à Bongo, c'est un conseil sur le samba, il ne va pas moi. Mais voilà que quand il croise l'homme de Dieu, le passé à Claude Kabouliwalesa, il est impacté et affecté. La vie du pasteur change. Suivons l'image, l'essai de ce pasteur. Et nous allons retourner sur ce bateau. Salut, je m'appelle le pasteur Jean-Claude. Je suis du Congo-Brazzaville et je évolue, ça fait aujourd'hui 30 ans, en Ukraine. Je suis père de famille, j'ai trois enfants, deux de ma première femme quand j'étais encore dans le monde et aujourd'hui, mon petit Samuel et sa maman Irma, avec laquelle nous sommes venus ici ensemble. Donc je voudrais témoigner un peu ici de ce que j'ai vécu, c'est ma vie, et peut-être que ça pourra édifier pas mal de gens. Donc j'ai évolué en Ukraine et au moment où je me suis retrouvé, je suis devenu pasteur quand le Seigneur m'appelait, mais je travaillais, j'évoluais dans le milieu russe. Donc dans le milieu ukrainien des blancs, maintenant je commençais à servir, mais après je vais remarquer que j'avais des blocages. Je me suis retrouvé dans des blocages très difficiles du point de vue financier. Je me suis retrouvé dans des blocages du point de vue spirituel. Donc mon ministère ne pouvait pas évoluer. Et les finances, j'étais tout le temps bloqué à une somme donnée. Et quand nous avons fait des statistiques avec ma femme, c'était aux environs de 20 dollars. Donc partout où je pouvais aller, tout ce que je pouvais faire, je ne pouvais pas dépasser cette somme-là. Si je dépassais cette somme-là, c'était tout simplement pour payer la maison. Donc, les jours passant, les temps sont en train de passer. Comme je vous l'ai dit, que ça fait 30 ans que je suis là-bas et que je forme beaucoup de gens dans les églises. Je pars dans beaucoup d'émissions, mais que moi, je ne gagne que 20 dollars. Et au moment où nous avons continué, au moment où nous avons réfléchi et prié avec madame, nous avons vu que ni le ministère ne marchait, ni les finances ne bougeaient, et tout ce qu'on faisait s'arrêtait toujours. En ce moment-là, nous avons continué à chercher. Mais vous voyez, en tant que pasteur, tout ce que je faisais ne marchait pas. C'est-à-dire, je veux dire que sur les finances, sur le ministère, mon propre ministère, chez les autres, tout marchait. Tout ce que je faisais pour les autres marchait. Partout, c'était impeccable. Partout, on nous attendait. Mais quand il s'agissait de ma propre vie, rien ne marchait. Et j'étais bloqué avec mes documents pendant 18 ans, donc je ne pouvais pas sortir de l'Ukraine. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup chercher. J'ai cherché partout, j'ai tout croisé, beaucoup, pas mal de serviteurs de Dieu, rien ne marchait. Et je vais vous dire,
Dieu m'a fait grâce. Une fois dans le net, j'ai recroisé les messages du serviteur, le grand serviteur de Dieu, qui est Papa Walesa. Et c'est en ce moment-là que je suis rentré en contact dans ces messages. Je suis allé dans les profondeurs. Quand au moment où je commençais à aller en profondeur, c'est là où je me suis retrouvé que les choses commençaient à marcher. Et c'est là où j'ai vu que c'était des blocages. Parce qu'au départ, moi, je n'y croyais pas trop. Puisque la parole disait que, bon, mais si tu as cru dans le Seigneur, c'est que tu es libre. Et que si tu as été, et si tu crois qu'il est vraiment le Seigneur, il est vraiment le Fils de Dieu, il est. Celui qui nous a délivrés, donc c'est tout ce que j'avais fait, mais rien n'a marché. On est passé par la délivrance, et cette délivrance a fait que je comprenne qu'effectivement mon ministère était bloqué quelque part dans le corps d'une tante, donc dans son corps, dans les parties intimes. Donc voilà. Pour ceux qui ne sont pas très spirituels, il sera difficile de comprendre, mais c'est ça. Moi, je comprends et moi, je crois. Et mes finances étaient aussi bloquées. Mon étoile était bloquée par les êtres plus proches. Et voilà. Toute ma vie était bloquée. Ma petite famille était bloquée. Mais suite à cette délivrance, j'ai failli mourir. Mais ici, on ne meurt pas. Je suis tombé plus de 5 fois ici, je suis tombé plus de 5 fois. Les images sont là, vous allez voir. Et je vous dirai que aujourd'hui, je me sens maintenant très bien. Je suis très à l'aise et j'ai retrouvé la force, la puissance que j'avais besoin. Papa Walesa a libéré une forte puissance sur moi, une forte onction sur moi. Et aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Satan ne peut faire rien pour rien, il faut qu'il puisse avoir des profits. Mais quand lui fait, il n'y a pas de profit. Si c'était toi qui avais opéré ça, on a passé un fils spirituel, on a botté l'église, on a botté la bandimi. Mais il ne l'a pas fait. Ses preuves nous montrent à suffisance qu'il fait l'œuvre du Seigneur. La continuité du ministère du Saint-Esprit. Cet évangile qui amène la paix, l'évangile de la réconciliation avec le Seigneur. L'évangile qui fait que l'homme puisse comprendre que Jésus est le Tout-Puissant, il est au-dessus de toutes les choses. L'évangile qui va nous faire voir que c'est Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'évangile qui nous montre que c'est même Jésus qui a fait les choses dans les temps anciens, il les fait maintenant. Le Jésus qui agit dans les temps anciens, il agit encore maintenant. De telles œuvres nous prouvent à suffisance pour ceux qui doutaient encore. Que de telles œuvres nous prouvent à suffisance que c'est un homme de Dieu, mandaté par Dieu, et il fait l'œuvre du Seigneur. Pour ceux qui ont œuvre, il fallait trouver un terrain. Pour se passer par son ministère. Non seulement c'est passé, il y en a encore beaucoup. Les exemples sont légion. Il y a ministère. Nous avons vu des prophétesses. À Outi Angola, l'équipe par Afrique du Sud. Babeti Kafar, Massas Yamolibo, ma colonie sur l'ennemi. Et il ne pouvait plus marcher. Samuel, partout où il est passé, il n'y avait pas de solution. Mais quand il croisait l'homme de Dieu, il prie. Aujourd'hui, je vous donne les exemples. Il y a Bassali Nanzam, les hommes de Dieu pour lesquels cet homme de Dieu s'est investi pour être babika, pour être bakangwama, pour être bas à délivrance, pour être bas à la délivrer, bas à la sauver. Je parle des hommes de Dieu, non pas des fidèles. Et les hommes de Dieu ministériels, ont passé Bassali ministère pendant assez longtemps. Moussoussoumé Bassali ministère libosonaïe, mais qui se sont retrouvés fragilisés. Mais quand ils apparaissent devant cet homme de Dieu, ils trouvent les solutions. Est-ce qu'un sataniste peut faire de telles choses? Est-ce qu'un serviteur du diable peut faire de telles choses? Quel sera le profit? Il y a sataniste pour être basali dans un babika. Vous savez que Kobik Samusa dans un beboko, et ça Kobik Samile Maïbele. Un seul serviteur peut gagner des milliers, des millions de ça. Mais lorsque ce serviteur est gagné, ce serviteur est restauré,
Ce serviteur est rétabli. Ce serviteur est délivré. Ce sont des millions de âmes qui seront délivrées. Sataniste à l'olenge nini wana. Sataniste à l'olenge nini. Ake de kosalete milema yabatu ebele si kwama. Et kwangwama. Ça sera impossible. Que dirons-nous aussi de cet extrait? Yamosali Nansambe, un pasteur à Betimbasso. Imaginez la dimension. Quand on parle de ça, peut-être tu comprends que ça facile, ça petit. Mais pasteur nakati à Yamba. A dit Yambasso à cause y'a don. Qu'est-ce qui devrait être dans la tête na mutu ya pasteur wana ni ne bandaki komatela ye a continuer côté a continuer ko samba pendant que celui o ya l'accentela ensemble a bo kele malade malade ya mbasu motema zo soazo suka et il souffre atrocement. Une telle personne est appelée d'abandonner la foi, de faire naufrage à la foi. Mais si cet homme était un serviteur du diable, il ne pouvait pas intervenir dans un tel cas. Là, c'est Satan qui a gagné. Mais voilà que l'homme de Dieu vient intervenir. Bien-aimé, attends aux ennemis sauter. Attends aux olinga koboya. Envoyer les telles choses. On dit toujours que cet homme-là, il y a Satan. Attends, il y a Soloka. Est-ce que ça peut se faire? Et ce pasteur s'amène devant l'église de l'évangéliste Colo Gabounioualis. À 6 millions de Makola, 100 millions, et le jeune pasteur a été guéri instantanément. Abiki a témoigné mon aîné dans ça. Mais Oyo a bébé, c'est qui Azana Katia Yamba. Mais si l'homme de Dieu était du camp de l'ennemi, il pouvait soutenir cela. Ngana yeba batu banganga kisi soki batio manaja ya bakisi yango pour achever yo. Mais il intervient un Dieu compatissant oyo akoki ko restaurer encore l'âme ya mutu wana mpe ayibise ki fo olimbisa ye comme Jésus avait dit père pardonne leur parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font ba yimba kamba ko salate. Suivons le bas de cet extrait-là. Tant que papa a simbi a bandi ko kiti sa boy. Directement na zo yoka, nzoto mobimba, force moko, ezo longwa banda mutu, ezo bima malembe malembe, ezo landa mouvement ya maboko na ye. Tango a sali boye, na, puissance wana, ezo kita, e landi maboko na ye, tango a sali boye. Au nom de Jésus, Nayoki, puissance wana et bimi balamoko. Miracle salima immédiatement au nom de Jésus. Le sabotage ne soit pas saboté et l'ombre. La longue ligne d'azur tient en assez. La longue ligne d'azur tient en assez. La longue ligne. Zala qui kilo ma casse, mais na komi pepele. Balamoko na telemi. Bien aimé, tant qu'on a telemi, papa zoye bisanga, tambola. Bien aimé. On a telemi encore. La chaussette kobeba à partir ya awa bomoni poso obuzomona oyo ngana yeba kiteke poso oyo ekobota ota. Bien-aimé, nous sommes là. Merci beaucoup. Nous allons chiter maintenant avec un pasteur qui a pengouisé. Pasteur a pengouisé. Par rapport à Bioka Yokabaninga Naye. Pasteur qui est au Simba Kisi. Le pasteur a Simbi Kisi. A connu même Kisi, il est aussi à l'église Naye. Pour envoûter maintenant les fidèles, il commence à travailler avec les fétiches. Les fétiches. Il travaille avec les fétiches. Mais il arrive que Dieu fait grâce qu'au moyen de cet homme, on a délivré Nganga. Il y a Pasteur Wana qui est notre frère Thierry Boualessa. Et les pasteurs s'amènent.
et on fait la délivrance de ses pasteurs. Un féticheur, un sataniste. Andi ma que passé dans sa côté dans mon diable, il y a du mal. Mais si Wallace était un féticheur, un sataniste, si Wallace était celui qui travaillait pour le compte du Satan, un pasteur démoniaque, satanique, diabolique, serviteur de Satan, envoya un autre pasteur qui est déjà entré dans ce monde-là, il devrait le laisser, lui donner la main d'association, va continuer comme ça, le Moussalawana. Mais il ne le fait pas, il intervient. Il dit à ce pasteur, tu dois retourner à la case du départ. Au Kozonga na makolo ya Yesu, au Kozonga na matamba ya Yesu, bakisi wana foko tikango, batimbola bakisi, batumba yango. On a prié pour ce pasteur, délivré même, et il est dans les champs missionnaires. Suivant quand cet extrait-là. Il mettait devant les gens du premier au 30. J'étais serviteur de Dieu qui marchait dans le Dieu véritable. Celui qui auparavant, je ne l'ai pas mélangé avec toi. Et ce Dieu-là avait fait des miracles avec moi. Des fous ont été guéris et il y a des témoignages. J'ai rencontré Jaribu au travers le pasteur, un collègue, son ami. Je croyais qu'il y a un mosali en Zambé à solo. Alors, Mouninga lobi, non, le poète ozala na aspect vis-à-vis na bato, bato bazala ebele, opozwa pe kombo, na sengi na yo, oya na la kisao quelque part. Je priais pour les gens qui vivaient les prodiges des signes, qui partaient sans revenir, et ça me faisait très mal. L'ami est venu, il m'a dit, pour que tu puisses te faire un nom, que tu puisses avoir une population, viens, je vais te montrer là. Tinda kinga ina kende koluka parfait, moko bazali ko bengango. Amen. Ah, la première chose, il m'a envoyé chercher le parfum qui se nommait Amen. Il m'a dit, écris tout ce dont tu as besoin, je vais offrir ça au temple. Et cela, de mon colonamona, et kokomoko azali ko benga wa maman Hélène. C'est là que j'ai vu la statue ici qu'on appelle maman Hélène. Ça. C'est là qu'on m'a envoyé quand je suis rentré pour aller chercher la pochette. On m'a dit cette pochette. Quand tu es en train de travailler, donc, tu montes en chair, tu commences à prêcher. Ça a plus d'impact dans le sang de Dieu. Cet œuf. C'était plus loin dans la maison. Personne n'avait le droit de toucher ni le mouchoir ni l'œuf. Je devrais les protéger. Si je me mets en chair, je me mets à prier. Toute prière que je vais faire, ça va t'atteindre. Je donne mon nom. On m'appelle Timothée Kabbala. Je ne m'attendais pas à que je ne m'attendais pas que je pouvais le rencontrer. Non. Amen. Montoyen à l'opango. Quelqu'un venait à la parcelle. Alors, mais qui c'est Zalia? Je vais rester ton enfant aujourd'hui. Éduque-moi encore. Que mon Dieu te pardonne. Le courage aujourd'hui. Le courage que tu as eu. Au sein de l'église, au sein pasteur. Tu es pasteur. Tu as une pour défendre l'église, corps du Christ. Que tu défendes l'église, corps du Christ. Au sein de la catia confusion. Parce qu'il est dans la confusion. Ok, merci beaucoup. Le temps, c'est le temps. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons voulu tout simplement
vous laissez beaucoup de temps pour que vous puissiez voir de vous-même. Les images vous prouvent que cet homme, c'est un homme de Dieu exceptionnel. Une grâce que Dieu nous a envoyée. Une grâce que nous devons protéger. Les serviteurs fidèles établissent les autres serviteurs. Ces serviteurs intéressés à accomplir la volonté de son maître. Walesa fait partie de ses serviteurs fidèles. Grand merci à tous ceux qui partagent cette émission sur les pages Facebook. Notre bien-aimé Galula Mulongame, Nakatia, Australie, la famille Kadia, Mama Bea Kadia et tous les Kadia, Nakatia, Nouvelle-Zélande. Nous n'avons pas oublié Dérouya Walesa à Paris, Roger Diafouana à Paris. Et nous voyons aussi notre bien-aimé Albert Chongo. Oiseau sale qui va imaginer contre la banane, on a bien dans YouTube. Nation qu'on a le webmaster Albert Chongo. Nous vous disons un grand merci et un grand coucou aussi. Et à tous les amis de Wallace à travers le monde. Sans oublier nos réalisateurs. Nous parlons de Léo Max Kayoka, ingénieur Papi Kelly Boivoua et tous ceux qui nous viennent toujours en aide. Sans oublier aussi notre sœur Carole aux États-Unis. Qui fait que parfois bateau bako yo kamunoko y a anglais tu baso aboli mbolami que cette émission soit traduite en anglais et sans oublier aussi notre bien-aimé Gabriel Luxa qui peut faire le même travail. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro. Mais cette émission vous pouvez aussi nous écrire les numéros que vous voyez là-bas Ezalina WhatsApp. Nous sommes sur WhatsApp, c'est 0 821 125 45 47. Les numéros qui défilent là, vous pouvez nous écrire sur notre page WhatsApp ou Facebook. Nous serons contents de vous savoir et de vous lire. Nous vous disons au revoir et au prochain numéro.